Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à une nouvelle émission d'Une page d'histoire. Aujourd'hui, nous complétons notre série sur l'école de Reims avec M. Jean-Paul Paré. M. Paré, à la dernière émission, nous avons parlé en terminant des encriers. Il nous en reste un petit peu à faire. Quelques-unes, si on poursuivait. Des modèles plus récents. Si on regarde ici, dans les années 40, 40-50, la petite gueule-là, ça en est une dans les années 1900, comme l'autre qu'on parlait tantôt, d'un homme et son péché. Après ça, les nouveaux modèles d'aujourd'hui. Sauf que ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette boîte-là, c'est qu'on a des effaceurs d'encre. Ah oui. Au lieu d'avoir un efface... Du liquid paper. Où tu avais des effaces en rigide qui avaient pour effacer l'encre, c'était des effaceurs d'encre. L'effaceur d'encre, ça consistait à mélanger deux produits, puis de les mettre sur où tu avais fait ta faute à l'encre, puis tu laissais sécher, puis c'était disparu. C'est quoi les produits chimiques là-dedans? J'ai aucune idée. Dans les effaceurs d'encre, j'avais ramassé dans un magasin d'antiquaire ce modèle-là. La madame m'avait bien dit que c'était un effaceur d'encre. J'ai communiqué avec les gars du musée, on dit, ils doutaient, puis à plein. Ils disent, Jean-Paul, ils ont fait des recherches, puis on va intervenir là-dessus. Ça a pris une grosse semaine, ils sont venus avec le... que c'était bien un effaceur d'encre. L'effaceur d'encre, c'est un effaceur d'encre que tu grattais. Il fallait que tu grattes doucement pour ôter la faute que tu avais faite. Sur le pupitre de la maîtresse d'école, il y avait les couvre-livres. On va voir tantôt, je parlais tantôt que les compagnies essayaient de rentrer dans les maisons d'école, dans les écoles, pour vendre des produits. Ça, c'était, il n'y avait aucune publicité. Tu avais le mystère de la voirie qui n'avait sorti. Quand on parle de publicité, bien là, on voit le sirop Mathieu qui essaye de rentrer dans les écoles. Sauf que c'est un produit qui pouvait servir d'autre que, je sais pas, un produit. C'était pas un produit de luxe, parce que quand tu avais la grippe, ça prenait du sirop. Ça, ce n'est un autre modèle. Il y aurait un autre plug à passer s'il y aurait d'un téléspectateur qui voirait, qui ont sûrement chez eux, je suis quasiment certain qu'il y en a quelqu'un qui ont des vieilles statues de main de serré, c'est la statue Notre-Dame des écoles qu'il y avait dans les écoles de Reims. Ah oui. C'est le modèle de statue. J'en avais trouvé une au lac Saint-Jean. Je l'aurais eu pas cher, sauf qu'ils parlaient, eux autres, de partir à une école de Reims. Mais si vous partez à une école de Reims, ils n'auraient plus votre statue. Oui. Fait qu'ils l'ont gardé. J'étais content parce qu'elle va rester dans le patrimoine quand même. Si ça aurait été un commerçant ou un antiquaire qui aurait voulu mettre la main dessus, j'aurais fait des pressions pour l'avoir. Si quelqu'un des auditeurs qui aurait ce statut-là, je serais très, très, très intéressé. Dans les... on parlait d'encrier tantôt. Il y avait des bouvards. Quand tu faisais une tâche ou quelque chose, tu avais des bouvards. Dans les bouvards, regarde bien, là, il y en avait une panoplie de marques. On voit à cause du sirop Mathieu. On voit la compagnie d'encre. Ça, c'était des compagnies d'huile, des livreurs d'huile qui donnaient ça quand ils allaient livrer de l'huile. Ça, c'était une imprimerie, si je ne me trompe pas. Il y en avait plusieurs. Tu gardes dans celle-là, tu rouvres, tu n'as trois que tu peux te servir. Dans les bureaux, les articles du bureau de la maîtresse, tu avais les stencils. Tout le monde connaît les stencils, qu'on pouvait soit faire des lettres ou faire des dessins. Ça, c'était des lettres majuscules. On avait, dans les élèves, dans les années, il y avait des jeux de billes. Il y avait de la bille, des billes. Les élèves jouaient aux jeux de billes dehors. Mm-hmm. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un jeu de billes. Les premières billes, c'était des billes en bois. Ah oui. Après ça, tu es venu avec des billes en terre cuite. Mm-hmm. Après ça, ça n'est venu avec des billes comme aujourd'hui, des billes en verre. C'est à cause un cadeau d'un des conservateurs du musée de la civilisation, M. Guttepin. Dans les articles du bureau de la maîtresse, tu avais des cartons pour montrer aux élèves à compter. Ça, c'en était un modèle. Ça, c'est un autre modèle plus intéressant que j'ai trouvé, que Mme Saint-Jean pour aujourd'hui m'a trouvé. C'était, si on regarde, il y a deux côtés. D'un côté, puis de l'autre côté. Ah, OK. C'est une série de 25 cartons, une 50 images qui est pour montrer aux élèves à compter. Dans les autres articles du bureau de la maîtresse, bien, c'est des choses que j'ai eu beaucoup de misère à trouver parce que le monde avait peur de donner ça. C'est des anciennes effaces. Oui. Pourquoi ils ne voulaient pas me les donner? J'ai un coup des plus vieilles sur les bureaux. Parce qu'ils étaient usés, ils n'étaient pas belles. Mais dans un patrimoine, c'est l'objet qui a servi qui est primordial.
Fait que je suis d'abord une des remboursées. Les plus belles ne sont pas là-dedans. Les plus belles, je les ai serrées. Ceux-là, je les laisse en démonstration. Ensuite... On pourrait peut-être y aller pour ce que vous avez au mur. OK. Dans le mur, tu avais, bien entendu, tu avais les cartes du Canada puis les cartes du Québec. Oui. C'est la carte du Québec, c'est la carte qui avait été mise dans la maison d'école quand ils l'ont construit. C'était une Mme Richard qui avait fait l'école là la première année. Quand elle est partie, ils ont donné la carte du Québec. OK. Elle l'avait dans son sous-sol, sur des rangées de bois de chauffage. Puis elle dit, « Monsieur Paris, je l'ai, mais elle dit, trop magané, je peux pas vous la donner. » J'ai dit, « Gardez, madame, si elle a fait son temps et elle a fait sa job, c'est pas de sa faute à elle. Ah » oui. Fait qu'il resterait un petit nippage à faire. Bon, la garde, le gars du musée, il dit, « Garde-la telle qu'elle est là, elle a fait sa vie de même, t'as gardé telle qu'elle est là. » Si vous remarquez, dans les maisons d'école, il y avait toutes les lettres au-dessus du tableau. Mm-hmm. L'autre série qui est au-dessus, c'est des lettres, on va vous montrer le dictionnaire tantôt, c'est plus récent, ça. Okay. Ça date à peu près dans les années 65, 70, même 75. Si vous regardez dans les maisons d'école, qui c'est qui primait après l'institution, c'était la religion. Tu avais les catholiques, tu avais le crucifix. Après ça, tu avais le tableau noir qu'on voit ici. Ça, c'était une madame de M. de Victoriaville qui m'avait appelé et qui avait vu les annonces du musée. Puis il me l'a vendu à un prix ridicule. Si on tasse par ici, les bouliers compteurs. Dans les bouliers compteurs, ça en est un des cinq rares qui restent au Québec. Ah oui. Il en reste cinq au Québec. Et le musée en a un, il y a une madame de la côte de Beaupré qui en a un, il y a le village québécois d'Antin qui en a un. Bon, il en reste cinq au Québec, puis nous autres, là, il en reste cinq. Dans les bouliers compteurs, si vous voyez, il y en a un autre modèle ici. Ça a été copié sur celui-là, il est plus jeune, celui-là, pas mal plus jeune, parce qu'il a son pied. Okay, ça, oui. C'est des modèles qui étaient faits pour installer sur le tableau. C'est pour ça qu'ils ont... Ils ont une valeur antiquaire plus élevée. Si on regarde les bouliers compteurs, dans les bouliers compteurs, tu regardes, s'il y a une loi d'institution publique qui disait, si tu avais 10 boules, il fallait que tu aies 10 rangées de haut. Pour multiplier 10 par 10, ça faisait 5. Ouais. 12 par 12, ça faisait 144. Oh, oui. 9 par 9, ça fait... 81. Bon, j'ai voulu que je l'avais oublié, quelle chance que vous êtes là. C'était un des règlements de l'institution publique. Si on regarde ici, on a le boulier compteur. Tu as 12 boules, 12 rangées. D'après le suite, ça, c'est. Je ne suis pas mieux qu'un autre, c'est les messieurs du musée qui m'ont documenté là-dessus. Ouais. Dans les bouliers compteurs, c'est à peu près tout ce qu'on pourrait passer. Vous aviez aussi des cartons qu'on voit là. Les cartons, c'était les cartons d'alphabet. Okay. Ça commençait de la lettre A jusqu'à la lettre Z, bien entendu. Si on regarde le carton, tu avais le carton que la maîtresse crochetait au tableau, comme ici. Mm-hmm. Puis tu avais ton livre de première, deuxième année. Qui se souvient pas dans le livre de première, deuxième année de la petite souris puis du voyage de foin? Fait que quand elle faisait la leçon sur la lettre IU, elle installait son carton au tableau puis elle faisait sa leçon. Ah, OK. Comme les cartons en anglais. Les cartons en anglais, c'était la même chose. Si on regarde. Dans le livre, si on regarde la figure 21, elle prenait son carton de la figure 21, elle crochetait au tableau, puis elle donnait son cours sur la figure 21. Il y avait 28 figures, il y avait 14 cartons, 28 figures dans les cartons en anglais. Les cartons en anglais, pour ceux sûrement qui vont s'en rappeler, c'est quand on parlait de John Murray to the school. On le voit après la porte de la chaîne à bois. Ça l'est, c'est le John and Mary qui s'en va à l'école. Il parlait de John Murray to the school, là. Ça l'est, le carton. Okay. Je vois aussi que vous avez des craies. Vous avez des craies, là? La craie, bien, c'était la craie avec le tableau, la craie blanche qui écrivait sur le tableau noir. Mm-hmm. Il y avait ça, c'est une brosse en cours qui avait été commandée, juste quand on parlait tantôt du livre, des frères des écoles chrétiennes. Ah, ouais. C'est un vieux modèle. Tu avais la portée musicale que tu faisais toute dans un coup. Okay. Cet objet-là, c'est un monsieur de Saint-Sylvestre qui m'a trouvé ça. Okay. Si on a terminé dans ce coin-ci, on va pouvoir passer dans l'autre partie de la classe, là, où on va pouvoir parler de vos bureaux et des autres matériaux qu'on va trouver.
Monsieur Paris, nous sommes maintenant vis-à-vis d'un bureau. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, regardez, c'est un bureau qui a une histoire spéciale un peu. Bien, c'est une histoire spéciale. Si on regarde l'émission La petite maison de la prairie, c'est quand on regarde dans la chapelle puis l'école, c'était la même bâtisse. Ouais. On voit le bureau exactement comme ça. Sauf que quand le curé disait sa messe, il remettait la petite autel par-dessus. Ah, OK. C'est exactement le même bureau. C'est date des années 1880. Ah, on l'a mis dans la maison d'école parce que c'était un pupitre d'institutrice, de maîtresse, pareil. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on l'a mis, on l'a incorporé. Vu qu'on est musée, on l'a incorporé dans la maison d'école. Sur le pupitre, on voit des chansons, les cahiers de la bonne chanson du temps. Toutes des chansons à répondre, puis des chansons que les élèves apprenaient à l'école. La chanson la plus connue des élèves à l'école, ben, tout le monde sait que c'était « Au Canada ». C'était la première chanson qui se montrait à l'école. Si on parlait tantôt des affaires religieuses qu'il y avait dans l'école, mais j'ai oublié tantôt de parler de la croix de tempérance. Ouais. La croix de tempérance, pour les plus jeunes, les autres, ils connaissent pas ça. La croix de tempérance, c'est quand il y avait une croix noire, pas rien dessus, dans une maison, d'un endroit, ça veut dire qu'il n'y avait aucune boisson qui était consommée dans cet endroit. Si on voyait ça plusieurs fois dans les maisons. C'est quand il y avait des parties, bien, ils mettaient la croix de tempérance dans la garde-robe, puis quand il avait fini de partir, ils le mettaient sur la place. Ici, on a... en passant, on va vous parler de la Sainte Enfance. Pour ceux qui sont plus vieux un petit peu, ils savent c'est quoi la Sainte Enfance. Sainte Enfance, si dans le courant de l'année, tu pouvais emmener un 5 sous, un 10 sous à la maîtresse accumulait. Quand tu avais 25 sous, tu faisais bâtir un petit chinois. C'était les derniers, dans les plus jeunes. Les plus vieux, je trouve, faire bâtir Sainte Enfance, c'était des 12 sous. Ah oui. Tu donnais une scène par mois. La maîtresse l'inscrivait en arrière. Ça veut dire que quand tu commençais l'école, tu emmenais 2 scènes. Après ça, tu donnais une scène à tous les mois. Ça faisait 12 scènes. À la fin de l'année, tu avais fait bâtir ton petit chinois. C'est des modèles qui sont très, très rares. Le musée de la civilisation, ils n'en ont pas. Ils m'en avaient parlé. Je l'ai trouvé dans une boîte de vente de garage, dans des vieux livres que la madame achetait. J'ai tout, excusez, tout feuilleté. Puis j'ai trouvé dedans. Si on regarde ici, ben, les statues, ben, on a parlé tantôt, les statues et les cadres dans les maisons d'école, il y en avait en masse, c'était catholique. Si on regarde ici, l'institution publique avait dit un jour, on va montrer aux élèves, inciter les élèves à économiser. C'est une banque, c'était la première banque qu'il y a eu dans les maisons d'école. Ah oui. On mettait l'argent par la fente ici, puis quand la banque était assez pleine, on la vidait par là. C'était un bouillon de colonial. Ça, c'est un courant cadeau, pardon, d'un des conservateurs du musée de la civilisation. Ah oui. Si on tasse par ici, on voit la boîte à bois qui servait à mettre le bois de chauffage. Le bois de chauffage, normalement, on n'a pas parlé tantôt, normalement, le bois de chauffage des dernières années, c'était le régisseur de l'école. Le régisseur d'école, c'est lui qui s'occupait d'entretenir la bâtisse. Ça veut dire faucher la cour l'été. Mmh. Ça veut dire vider les puisards, pas les puisards, mais les toilettes qu'il y avait, les bécosses qu'on appelait. Puis de faire le bois. Mais sa job n'était pas de le rentrer. Okay. Il faisait le bois, il l'emmenait dans la cour. La première journée, la deuxième journée de classe, la maîtresse prenait tous les élèves pour rentrer le bois. Excusez. Quand on chauffait l'hiver, elle emmenait son bois pour avoir besoin de voyager toutes les fois. Elle emplissait son chose. Elle se gardait un petit peu de bois d'allumage pour allumer son poêle quand elle arrivait le matin, quand elle ne restait pas à l'école. On voit sur la boîte à bois, on parlait des temples tantôt qu'il y avait dans le livre qui est des frais des écoles chrétiennes. C'est une collection de 72. J'en ai 62, il m'en manque 10. Ah, oui. C'est des fois dans les téléspectateurs qui narraient. On va passer maintenant au coffre à crayons. Dans les coffres à crayons, il y avait trois modèles de coffres à crayons. On voit ici un étage. On voit le deux étages. Et il y avait le trois étages. Premier, deuxième, troisième étage. Pourquoi, le trois étages... Oui, ça servait à quoi? Pourquoi il y avait trois étages? Le trois étages, ça fait des familles qui étaient bien nantis. Famille qui mettait bien nanti pour que son enfant paraisse bien à l'école, j'ai acheté un coffre sur les étages. Ou les familles qui avaient plusieurs enfants qui allaient à l'école,
Tout le monde emmenait, il y avait un coffre, puis tout le monde mettait les crayons, les affaires dans le même coffre. Qui ne se souvient pas du petit coffre à crayons en plastique à calculer? C'est quand on le tossait, vous avez du 2, 2, M. Berdeux donnait 4, 10, M. Berdeux donnait 20. Petit coffre à crayons avec l'aiguisoir au bout. Mm-hmm. Ça date des années 60 à peu près, 60 peut-être un petit peu avant. Mais c'était révolutionnaire pour le temps. Hein. On peut y aller maintenant pour les... On pourrait peut-être continuer avec les ardoises, tant qu'être dans les... Dans les ardoises. Vous savez que l'ardoise, pour ceux qui ne savent pas, l'ardoise, c'est une pierre. C'est une pierre taillée à même du matériel qu'on appelle ardoise. Ici, au Québec, pardon, il y en avait une à Rosbestos, une mine, est fermée. Il y en a une en exploitation au Nouveau-Brunswick, sauf qu'ils ne font pas de morceaux de même, c'est des couvertures en ardoise, comme on voit là. C'est de production. L'ardoise, il y avait différentes grandeurs. On les voit ici, les différentes grandeurs qu'il y avait. L'ardoise elle-même, ça prenait quelque chose pour écrire dessus. Il y avait le petit crayon d'ardoise. Quand on écrivait dessus, ça faisait sa marque. Il y a un monsieur de la Guadeloupe qui est venu me voir, puis il ferait un cadeau pour toi, vu que tu as un musée. Il m'a envoyé deux vrais crayons d'ardoise flambant neuf. Ah oui. Ce qui est pratiquement plus trouvable. Fait que c'est pour ça que c'est serré comme la prunelle de mes yeux. Personne n'y touche. Un antiquaire de Saint-Gilles-de-Lobinière qui m'avait trouvé ce bout-là. Fait qu'on, pour faire la démonstration, on se sert de ce bout-là. Pour essuyer l'ardoise, la maman envoyait un chiffon que tu essuyais. C'est quand la maman oubliait d'envoyer le chiffon, tu prenais le chiffon maman. Tu prenais ta manche. Dans les ardoises, c'est à peu près l'histoire des ardoises. Ça a été les premiers cahiers. Les ardoises, tout le monde sait que ça a été les premiers cahiers à écrire des écoles. Si on passait maintenant ce qu'on trouve sur le bureau, on a des premiers bulletins. Oui, ici, on va commencer par les registres. Les registres. On passe avec des vieux registres qui accordent. Je suis partisan un petit peu de la paroisse Saint-Pierre de Bretonne. Je ne sais pas si j'ai un petit attachement plus un peu que les autres paroisses. Qui c'est qu'on voit ici? Il y en a, la plupart, ce sont de Saint-Pierre de Bretonne. Il y a un monsieur de Telford Mines qui m'a demandé l'année passée, il y a deux ans, les premiers écrits de la commission scolaire de Saint-Pierre de Bretonne. Ah oui. Je voudrais le remercier. J'ai oublié son nom, le pauvre monsieur, mais je voudrais le remercier sincèrement. Il va sûrement se reconnaître. Oui, probablement. Oui. C'est un monsieur très gentil. Il est arrivé juste avec un sac plein de toutes les registres des assemblées des commissions scolaires. Ah oui. Ça, c'est un rapport annuel que l'inspecteur d'école faisait avec un des commissaires. Il passait dans les écoles, puis il faisait un rapport, puis il signait. Ici, c'est le registre de présence des familles dans chaque rang des familles qui allaient à l'école. Si on prend un exemple ici, on voit le nom de famille, on voit le rang, le nom de famille. Les élèves, les enfants, il y avait les garçons puis les filles. Ça, c'est le nom du père. C'est le nom du père. Ça veut dire qu'on a Thomas Lessard, puis on a le nom de ses enfants. Qui exactement était... ça. Puis l'autre, Napoléon Jacques, qui est... Avec les âges plus loin ici qu'on voit. OK. C'était un registre de commission scolaire que la commission scolaire faisait faire dans les paroisses. Il y a une chose que je voudrais lancer, un appel au public, pour ceux qui, les maîtresses d'école, les vieilles maîtresses d'école, qui auraient, on appelle ça le journal d'appel, le journal journalier, c'est un journal qui faisait tous les jours, mais les autres, le nom, c'était le journal d'appel. Okay. Il manque à ma collection. Ce qui arrive des fois que des vieilles institutrices qui voudraient s'en départir, je serais très, très heureux de les rembourser. Dans les autres, il y avait le billet d'honneur. Le billet d'honneur, c'était un élève qui était, là on ne gardait plus, c'était réserviable, c'était l'élève qui avait des meilleures notes, des très bonnes notes. Ici, c'est un petit monsieur de Pontbriand. On avait le registre de l'inspecteur de la maîtresse d'école de toute l'année. Combien qu'il y avait eu de filles et de garçons qui étaient venus à l'école, leurs âges, puis les journées d'absence. Si on garde le printemps dans le temps des rabières, si on garde l'automne dans le temps des récoltes, les garçons manquaient beaucoup d'école. Il y a beaucoup d'absence. De temps en temps, on voit une fille qui a manqué deux mois de suite d'école. La raison est que sa mère avait accouché, puis elle était restée à la maison pour les relevoirs qu'on appelait dans le temps. Si on continue dans les bulletins, les premiers bulletins ont été faits à la main. C'était le bulletin que la maîtresse d'école faisait à tous les mois.
C'était fait à la main. Il n'y avait aucune imprimerie qui faisait des bulletins d'école. C'est des objets très rares. Ça remercie à quoi les institutrices qui m'en ont fait parvenir. Après ça, on tombait avec les bulletins que nous autres, on avait quand on était à l'école. Petit bulletin avec toutes les 10 mois t'es dessus. Si tu tombes de ça, c'est dans les années 40, ça jusqu'à 55. Après ça, tu tombes avec les derniers bulletins qui sont faits dans les écoles, c'est ces modèles-là. Pour dans les bulletins, ça serait pas mal tout les bulletins. Vous avez le... Je vois, excusez, vous avez... Un certificat. Vous dites tantôt, j'ai un petit parti pris, puis ça vient de Bretagne. C'est une des sœurs de ma mère. C'est ma tante Adrienne Drouin a fini ses jours à Black Lake. Elle était native de Saint-Pierre-de-Bretonne. C'est son certificat qu'elle a eu quand elle a été nommée maîtresse d'école. Ah oui. Vu qu'elle était de Saint-Pierre, fait, je l'ai ramassé. C'était en 1920 quelque chose. 1927. Je l'ai ramassé parce qu'elle était de Saint-Pierre-de-Bretonne. Anecdote, quand ils ont encadré un magasin de Tufford que tout le monde connaît bien, Aziz Sept-Lacouy, c'est le premier fondateur des magasins Sept-Lacouy. Si on parlait maintenant des... Je vois beaucoup, vous avez beaucoup de bureaux. Est-ce qu'on pourrait parler peut-être de vos... les plus anciens? Oui, les plus anciens. on fait une histoire de bureaux. On part avec les années 1880. Ouais. On monte 1890, après le mur qu'on ne voit pas. Là. Ouais. Après ça, si on tombe dans les années... Ici, dans la classe, c'est pêle-mêle, les années. Okay, ouais. Je peux vous les dire vite, les années. Ça, c'est dans les années 30-40. Ça, c'est les années... La même heure, sauf que les autres, ils ont été fabriqués à la main. OK. Bon, vous comptez l'histoire, une autre histoire tantôt. Après ça, on tombe dans les pupitres. On regarde, il y a plusieurs modèles, une panoplie de modèles. La compagnie Villars de Cowansville était une des grosses fabricantes de pupitres. C'est un modèle à trois places, je ne l'ai pas trouvé en cours. Ah, ouais. C'est un modèle qui est très, très rare. C'est pas toutes les commissions scolaires qui devaient se payer ça. Ici, c'est un modèle ajustable de première et septième année. Dans les écoles de Reims, tout le monde sait que dans les écoles de Reims, tu avais sept divisions. Première allait jusqu'à septième. Lui, il est ajustable, tu le manches un écrou, tu le vises un écrou, puis il se baisse en bas, puis à mesure que l'élève grandissait, tu levais le pupitre jusqu'à temps qu'il finisse son primaire. Si on regarde ici, les autres, c'est ce modèle-là, puis un autre modèle, j'ai pas fini de le faire. C'est des modèles qui viennent de la Colombie-Britannique. Oh. On a fait un voyage dans l'Ouest, ça n'a pas aussi. Faire une histoire courte, c'est à Kettle Valley, on rentrait dans la Colombie-Britannique. On avait visité un musée agricole, puis il y avait deux sortes de pupitres dans le musée agricole, qui étaient complètement dans le fond du hangar, puis ils ne servaient pas, ils n'étaient même pas exposés. Ça n'avait pas de rapport du tout. J'ai été trouvé la directrice, et demandé si vous pouvez les acheter. Elle m'a fait réponse, il faudrait que j'en parlerai au grand Manitou parce que je peux pas les vendre. Oui. Fait que finalement, sur l'heure du dîner, elle m'a communiqué avec le grand boss. Le grand boss, ouais, ben on peut pas. Fait que j'ai parlé directement au grand boss, oui. Puis il dit, garde, vous n'avez pas le droit de les vendre parce que c'est des objets qui vous ont été donnés. Il dit oui. Mais j'avais le droit de les donner. Puis moi, j'ai le droit de faire un don au musée. C'est la manière que je me mets de mettre la main dessus. Parce que c'est des shows, des centaines. C'est des modèles assez rares. C'est des modèles avec le map-monde de couler à même le côté du bain. Ah, OK. Puis l'autre, c'est le chapeau de la reine. L'autre modèle, c'est le chapeau de la reine. Les autres, ils ont été coulés, j'ai pas quoi, il serait semblablement qu'ils auraient été coulés en Ontario. Le chapeau de la reine, apparemment, qu'ils auraient été coulés ici au Québec, mais on n'est pas sûr. Mais vois-tu, c'était rendu en Colombie-Britannique. Si on regarde d'autres modèles, dans ces modèles qu'on voit ici, on voit qu'il n'y a pas de chaise. Elle me posait une question. S'il n'y a pas de chaise, pourquoi? Il y a quoi des chaises ont été perdues? Guy Tupin du Musée de la Civilisation et du Jean-Paul, il n'y avait pas de chaise avec ces modèles-là qu'ils vendaient. C'était l'élève qui emmenait sa chaise pour s'asseoir. Ah, okay. Fait que c'est pour ça que tu peux voir différentes sortes de chaises avec ces modèles-là. Après ça, si on regarde l'autre bord, tu avais des modèles que nous autres, quand on l'école, on avait ces modèles-là. Nous autres, vous savez que quand on est à l'école, ils se jouent toujours des petits tours un peu. Hein? Bon, nous autres, les petites filles, s'il y en avait, on était notre petit rabat, on se rentrait de pied entre les deux pour chatouiller les fesses des petites filles. Les petites filles faisaient un saut, ça fait que les filles faisaient un saut, là, la maîtresse se demandait c'est quoi qu'il y avait eu. Nous autres, on avait eu le temps de remettre notre petit rabat. Ben, un coup, on n'a pas eu le temps de le remettre. Fait qu'on avait fait du coin. Avec le petit chapeau d'or. Avec le chapeau d'or. Il nous reste à peu près pas beaucoup de une minute et demie. La plus belle histoire, c'est des bancs qu'on voit là.
C'était un monsieur de Saint-Cyprien qui avait bâti le monde, des élèves, avaient 2000 affaires pour l'école. Les propriétaires, les cultivateurs du Rhin, ils ont dit, la commission scolaire, j'ai une bâtir une école. La commission scolaire a dit, on ne peut pas, on n'a pas d'argent. Ils ont fait une réunion, ils sont tous cotisés, ils ont dit, regarde, on va fournir le bois, puis on va bâtir. Ils vont être obligés, ils ne veulent pas, ils vont être obligés de nous l'amener. La commission scolaire a vu ça, ils ont fourni des ouvertures, la porte, des cheminées. Ben. Quand ils sont arrivés au mois d'août, plus moyen de faire l'école, il n'y avait pas de bain. Avec le monsieur, la commission scolaire n'avait pas d'argent, le monsieur qui s'est levé dans la salle, monsieur Saint-Cyprien, il dit, on va les faire les bains d'école. J'ai remboursé l'histoire, j'ai remboursé ces deux bains-là à Saint-Cyprien. Monsieur Paris, je vous remercie beaucoup de nous avoir permis. On a fait 3 émissions sur l'école de Rennes. On aurait pu en faire encore plus. Vous aviez beaucoup de choses à nous raconter. Je voudrais inviter les gens, s'ils sont intéressés à visiter votre école de Rennes, ils ont juste à communiquer avec vous. Puis s'il y a d'autres étudiantes et des professeurs qui voudraient venir avec les étudiants, ils peuvent venir aussi. Là, ils ont juste à vous appeler, il n'y a pas de problème. Je pense que vous allez pouvoir les accommoder. Oui. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette semaine. Soyez des nôtres la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Une page d'histoire.